Bonjour les chansonneurs, on est parti pour faire un micro-trottoir. C'est parti, on vous emmène. Comment ça va? On est content, les gens ont l'air plutôt satisfaits. Ouais, ça tu va. Fais quoi toi ici? Moi je suis adjoint responsable camping. Donc on a préparé tout ce petit village avec des animations, le bar que tu peux voir ici, bière, café, thé, le jeu de palais à disposition, Molky, des expositions photos, des expositions immersives avec du petit rap de José. On a une ludothèque, le coin de chill. Alors du coup, comment c'était hier soir? C'était très cool. C'est quoi les trois indispensables pour toi pour passer un bon festival? Des bons copains. Clairement, le site est vraiment génial aussi, l'installation, tout, et puis la musique aussi. Là, en ce moment, je suis animateur. Là, j'ai revu des jeux de société qui sont à disposition. Là, je vois, vous jouez au Dixit, du coup. Ouais, il y a eu le Dixit qui a été sorti. Ouais, sympa le Dixit. Ça ouvre l'imaginaire et tout, donc c'est cool. On pleut un peu, mais on est habitué, on est des Nantais, donc ça va. C'est quoi les trucs qu'il faut avoir? Le soleil et le sourire, quoi. Allez. Voilà. Moi, à l'origine, j'ai commencé, en fait, je bossais dans les milieux de l'impression traditionnelle. L'idée en fait c'est que moi j'aime beaucoup prendre des trucs de la pop culture et de les détourner dans tous les sens. Parfois des trucs un peu engagés, parfois des trucs un peu plus débiles et légers. Du taf et du plaisir en même temps, donc tout va bien quoi. Oui. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour aller faire les festivals et gagner un peu de sous en même temps. Donc c'est très très bon deal. Qu'est-ce que je fais? C'est que je mêle mes deux passions, la photographie et l'écriture, le slam. Là, le principe, c'est que chaque photo a un son, tu peux écouter indépendamment. Ou finalement, il y a aussi un petit fil rouge, si tu les écoutes dans l'ordre. Pour moi, il y a quelque chose, ça t'invite un peu au voyage. Si t'as 1 euro, tu veux donner 1 euro, donne 1 euro. Et si t'es capable et tu veux donner 5 ou 10 euros, et donne 10 euros et ce sera trop cool. Et c'est finalement, moi, je m'y retrouve parce que ça équilibre entre les gens qui donnent ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent dans tout ça, et je veux que ça reste accessible. Comment ça va? Ouais, super, super, et toi? Bah ouais, merci. C'était bien hier soir? Ouais, c'était grave cool. Bonne ambiance, bonne vibe. J'ai kiffé. Trois indispensables, une petite bouteille d'eau pour le soir avant de dormir, des chaussures bien, la bonne humeur. Ouais, ça c'est cool. Vous êtes le papa de Margot. Exactement. Voilà, tout à fait. Voilà, et donc on a dit, on viendra faire un petit tour, boire une petite bière et puis manger un petit bout. Et trois indispensables pour passer un bon festival. De l'argent pour payer les bières. Être dans un bon mood pour danser et groover un peu. Des lunettes de soleil. Voilà. Bien sûr. Surtout qu'on a trop de soleil, vraiment. Oui, bah oui, mais ça va l'emmener, tu vas voir. Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous passez un bon festival? Oui, en tant que bénévole, forcément. Alors, qu'est-ce que tu fais comme bénévolat? Là, je suis au catering. Du coup, on sert les artistes, les bénévoles, donc le midi, le soir. Hier soir, c'était couscous. Et du coup, ça a fait combien de personnes à servir? Plus de 90 personnes. Et tu vas aller voir qui ce soir, du coup, en priorité? Techno, DJ Arn, Vitesse, il y a aussi Alain qui est du coin. Et après, Antoine aussi qui est organisateur, qui mixe aussi ce soir. Donc, ça va être un... Tu passes un bon festival? Un très bon festival. T'es là depuis hier soir du coup? Ouais, tout à fait. On est arrivé hier soir avec les copains, dès 16h. Les indispensables pour passer un bon festival? Le beau temps, on n'est pas gâté. Les bons copains et la bonne musique. Tu viens d'où? De Thouars. 6e plus beau marché de France. Eh oui. Pour toi, un bon look de festivalier, c'est il faut quoi? Un gros schlag avec les bottes. Autant dire, chacun vient comme il est, on les aime tous. Tu vois. Exactement. Hey! Ça chante par-dessus ou quoi? Non, pas trop. Non. Vous êtes trop bien là! Ça prend l'apéro du coup? Oui. Ah, le pastis! Oui, mais du coup, on va tarder à s'en refaire un d'ailleurs. Ça fait un petit peu de palais? Ouais, on a fait un palais, on a gagné, tout s'est bien passé. Beaucoup de palais vendéens par ici, pas beaucoup de palais bretons. Ouais, on est plus bretons du coup, mais c'est. C'est plus sympa le breton quand même. Ouais. Franchement, on représente la Bretagne un peu. Que tu viens d'où? De Bordeaux. C'est la première fois que tu viens au Chansonnard? Première fois, en plus c'est sympa, il y a plein de copains ici en plus. Plein de collègues aussi, franchement, très sympa ce festival. Et t'as passé une bonne soirée du coup hier soir? Hier c'était très sympa. Ouais. Je passais la soirée plutôt au Dub Corner, Alpha Stepa, toujours aussi bien. Donc là c'est encore l'apéro, le palais et après ça va sur site quoi? Ouais, là on finit la petite bière comme. Je pense qu'elle est bien finie là, si on en verra toutes. Elle est bien plate, c'est bon, c'est fini. Et après on va passer au petit rhum. Ouais. Au Cuba Libre. Ok. On libère Cuba encore, comme tous les week-ends, on y travaille. Du coup, donc trois trucs pour passer à mon festival. Cuba Libre, la bonne humeur, ouais. Le sourire, la bonne humeur, et petite chemise, soleil, plaisir. Franchement, là, on est bien, on se régale. Allez, merci. Bisous. On a fait un croquis le matin j'ai fait un croquis. Vous avez fait un croquis? Ouais, j'ai fait un croquis.
Ouais, parce qu'il fallait calculer combien il y avait de sardines, s'il fallait en racheter. Donc on les a comptés, il y a 26 sardines. Et du coup, combien d'habitants sous ces tarpes ? Habitants fixes, on est 5. Bienvenue à l'apéro s'il pleut, quoi. Oui, tu passes un bon festival? Super. Là, on se ressource et après on y va. C'est quoi, toi, les trois trucs pour passer un bon festival? La musique, des gens sympas et il y en a beaucoup sur le festival. Les bières, le bar. Le bar, hein? Non, mais c'est Slimane, le chanteur. Attends, on exclut ce soir. Bah, il y a Vita qui arrive avec mon album commun avec elle. Bien dans le micro. Ah, c'est... Par contre, c'est vraiment tout doux, hein, je tiens à préciser. Il fait froid, il pleut, il y a de la boue. Botte, kawaii, bonnet. Ah, ok, mais c'est validé. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va et toi, comment tu t'appelles? Bah super, moi je m'appelle Thibaut. Voilà. Mais franchement, tu vois, c'est la première fois que je viens et j'habite à 3 champs d'ici. Ok. Et je suis bien content, franchement, d'avoir des initiatives comme ça. C'est vraiment très, très, très à propos. Dans une région où il n'y a pas forcément de base, ce genre de festivités. Moi j'adore. Okay. Franchement, continuez comme ça et revenez la bulle prochaine, plus fort encore, plus fort.